Eh bien le bonjour mes gens, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Mobile, j'espère que vous allez bien. Vérifiez que vous êtes gagnant. Hein, donc attendez, là j'ai Sarah 1521 qui souhaite faire partie de mes amis. Malheureusement, je ne pourrai t'accepter. Alors je ne sais pas si c'est si c'est un abonné ou pas, mais j'ai déjà 50 personnes sur 50. Ça a été vite. Ça a été vite. Alors, l'épisode, je vous avais promis un épisode. Spécial, non pas dans les mécanismes du jeu, tout ça, non, non, non. Je vais aller voir vos maisons. On va aller voir les maisons. Du coup, on va commencer par Hakuna Matata. Mais quelle phrase fantastique! Allez, alors, niveau 34, expressivité exceptionnelle. Connexion il y a 27 minutes, donc c'est encore quelqu'un d'actif. On va aller voir la maison, les amis. Wow, 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 wow. Et ça envoie du lourd, là, mine de rien. Ça envoie du lourd. Franchement, je pensais même pas que c'était faisable de faire ça. On voit quelqu'un de créatif là dans la maison, là, direct. Ça envoie de la patate. Hein, première maison, première fois bluffée, quoi. Donc une chambre d'enfant qu'on peut voir très complète, donc pour ados et bambins. Donc chambre très complète, la chambre des parents aussi. Purée. Eh ben purée de chez Pomme de Terre. Avec une décoration avec coloration des murs et tout, qui va très bien avec l'ensemble des meubles et tout. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Là, nous avons le salon, les amis. Oh là 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 là. Ah, mais c'est magnifique. Magnifique. En tout cas, bah, félicitations à toi, Hakuna Matata. Parce que là, tu as fait une décoration exceptionnelle, je trouve. Ouais. Et l'expressivité exceptionnelle, là, tu l'as bien. Même la cuisine, quoi. La cuisine, elle est GG. Voilà, puis après, bah là, carrément avec le jacuzzi et tout, quoi. Ah, faut pas déconner. Même dans la version APK, j'ai pas eu ça. Puis attendez, il y a une chambre d'amis, là, ici. Très complète et qui fonctionne bien avec la décoration aussi. Ah, par contre, là, la lessive, il faut la faire. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, le linge par terre, non. Là, tu perds un point. Mais je crois que c'est fait exprès, là, le linge. Hein. C'est mis exprès pour aller avec l'armoire. Donc, non, nickel. Et donc, après, on a le petit jardin. Et nous avons salle de sport, petit coin télé avec jukebox et tout. Alors là par contre il y a un Sims qui est en train de s'éclater tout seul. Et derrière nous avons, oh, attendez, petit rollback, quelqu'un qui fait son sport. Bah écoute non franchement GG à toi. Ça déchire avec l'arche de mariage là devant, franchement ça gère. Alors ensuite nous allons voir Ruby qui est niveau 30, snop. À souhait, connexion il y a 7 heures, donc hop, on va aller voir la maison. J'essaierai de vous mettre en fait les petits noms en bas à gauche. Donc maison de Ruby. Alors maison de Ruby qui est très belle niveau extérieur. Hein. On peut voir un petit côté ouais, très villa avec le salon qui est en plein milieu, grand écran. Bah, même moi j'ai encore une petite télé à la noix de coco. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'en fait j'ai un petit souci, pour ceux qui savent, j'ai été hospitalisé, du coup je dois jouer en coin et mon micro n'est pas très tip top avec ça, du coup c'est un peu galère. Donc je reprends donc le petit salon, ah oui carrément avec le petit hall d'entrée là, sympatoche, le petit bureau qui est direct là avec la machine à écrire, un petit cadre, salle à manger. Donc cuisine, on peut dire presque ouverte, hein, mais non, il y a les murs à côté, mais voilà, donc la cuisine qui est là. Donc qui a mixé la couleur bleue et rose avec le noir. Ouais, c'est pas mal. Ah, le jukebox par contre dehors, c'est normal qu'il est dehors? Ouais, c'est pour avoir un petit fond sonore, je suppose. Et le jardin qui est là avec la guitare, d'accord. Et là, une salle de musique qui va se compléter, à mon humble avis, avec une chambre peut-être. La salle de bain. Et la chambre des parents, je suppose, puisqu'il y a le berceau. Avec les petits. C'est quoi ça? Les petits œufs de Pâques. Ah ben, on a fait la petite collection d'œufs de Pâques là. On reconnaît le collectionneur qui règne. Non, mais en tout cas, ben, GG aussi à toi. Belle petite maison. On va passer à la troisième personne, Wataru.
Ouais, tarot, voir la maison. Attention, oh, j'ai même pas regardé ce que... Niveau 29, passionnément mode. Alors, la maison, donc une autre, on peut voir une autre forme de maison. Alors, c'est ça qui va être bien dans cette série d'épisodes, parce que je pense pas que je vais tout faire là-dessus, hein, mais vous avez vraiment de la créativité, maison. Donc, on va voir l'intérieur. Donc, déjà, là, on rentre. On a la table basse avec une table direct mise là pour faire genre de table. Il y a des gens bleus là-dedans. Alors, toi aussi, tu as fait Wataru, la maison, enfin, la collection de packs. J'ai même pas pu la faire. Donc là, ensuite, une fois que c'est fait, il y a la chambre juste à droite avec un petit bébé qui dort. Ça va, il est pas dérangé. Il est bien. La salle de bain. Bon, salle de gain. Non, c'est pas une salle de gain. Salle de bain très classique, hein, on dirait presque la mienne. À part que tu as rajouté un petit pot de chambre. Bon, par contre, tu as ta douche qui rentre. Dans la fenêtre. Et ensuite une petite armoire avec un petit couloir. Et là, nous avons la pièce à vivre, donc carrément avec la cuisine, fauteuil, table, ouais. Ils sont en train de se battre. Et une autre table basse avec un petit salon. Ah, ça va, ils sont pas trop près de la télé. Ils vont s'abîmer les yeux, hein. Et donc de ce côté-là, bureau, petite chambre, ouais, c'est donc on dirait un petit studio là en fait, ta pièce. Avec l'armoire qui est mise. D'accord, faut pas activer ça, sinon la vibration, ça va faire péter l'armoire et les bouteilles. Et là, une petite chambre, à mon avis, t'es en train de faire des travaux dedans. En tout cas, c'est très grand, t'as vraiment de l'espace pour tout faire. Donc t'as fait un coin spécial pour le bébé, on dirait. Ouais. Bon, on va voir la quatrième maison qui est de Sarah MRC, passionnément mode, niveau 28. C'est parti. Ah, Loulou vous dit bonjour. Alors attendez, hop, je dézoome. Donc là, on voit une maison plus petite que les trois premières. Ah, je bois mon café en même temps, hein, désolé. Donc plus petite que la première, donc qui ressemble plus à ma maison. Donc là, on a le salon avec œufs de Pâques aussi et plus bougies. Un coin sapatoche. Coin avec beaucoup de trucs musique, logique. Ah oui, en fait, là, le problème des Sims mobiles, c'est que la table de logique, en fait, c'est bien de la mettre comme ça, parce que finalement, ils peuvent pas trop jouer à deux, quoi. Sauf en cas d'événement. Donc là, la chambre, avec la chambre du bambin, là, t'as pas encore ajouté de pièces. T'as pas fait de chambre de bambin. Donc la cuisine, une petite cuisine, j'aime bien. La salle de bain, qui est gigantesque. Tu pourrais mettre 3-4 douches. Et une autre chambre qui est ah, peut-être chambre d'enfant puisqu'il y a le coffre à jouer. Pour l'adolescent peut-être. Avec l'échiquier. Loulou a fait tomber quelque chose. Et rien d'autre dans le jardin. D'accord. Bon, on va aller voir une autre maison. Je ne me trompe pas. Iriloun, totalement tendance, niveau 29. C'est parti, je vais voir ta maison. Alors, ah, on retourne sur une grande maison. Ouais, on retourne sur une grande maison. Donc, pièce à vivre, salon, cuisine. En fait, là, la pièce, elle fait tout. Avec beaucoup de trophées. Les trophées qu'on peut gagner pour les traits de caractère. Les débloquer. Il y a du peuple, hein, chez toi. Et donc, la chambre avec un petit bébé qui dort dans son berceau. Donc, ouais, une petite couleur. Tu aimes bien le vert, non? Parce que là, je vois le canapé vert, je vois ta pièce verte, le tapis vert et une autre pièce verte. Un adorateur du vert. Donc là, la chambre. La salle de bain, plus petite que la maison précédente. Ouais, en fait, là, il peut se regarder en train de prendre sa douche, là, avec le miroir. Beaucoup de miroirs. Et là, c'est une pièce plutôt de bureau jeu pour les enfants. Avec la collection des œufs
bien entendu. Je suis le seul à l'avoir raté, moi, ce truc. Et ici, donc vous avez la salle de gym, hein, yoga. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a de l'idée. On va aller maintenant voir Missy Raid 28, totalement tendance. Alors, on retourne sur une maison plus petite. Mais quand on zoome dedans, c'est un adorateur du rouge que nous rencontrons. Après le vert, c'est le rouge. Non, donc on peut voir que... Ouais, donc cuisine. Avec salon. Petite pièce, ouais. Un petit bébé. Bon, les chiens, ils sont en train de s'énerver, là. Désolé, si vous les entendez, c'est normal. Et donc là, à côté... Une petite pièce où on entrepose de petites coupes, les trucs caractéristiques de caractère, et puis piano, le loisir, bureau. La salle de bain. Ouais, qui est pas mal. Une chambre. Et la seconde qui est juste à côté. Avec. Attendez, hop, non, juste le berceau. Et dehors, l'arche de mariage. Et il n'y a rien d'autre. La Kodak. Bah, vous avancez bien, c'est ça qui est cool. Alors, attendez, faut pas que je me... On va aller voir Johan, totalement tendance, qui est niveau 26. Ah, je l'avais dit que je le faisais, hein. J'espère que vous avez préparé vos maisons. Ah, tiens, une forme qui change là. D'accord. Donc si on entre, là, nous avons la petite, le petit salon. Avec la petite table pour manger. Et ici, vous avez la cuisine. Bon, un peu vide, mais vu ton niveau, c'est normal. La mienne, n'en parlons pas, elle est archi vide. Et là, tu as fait une pièce pour faire un couloir. Donc, c'est pas plus mal. Et ta salle de bain qui est ici. Avec un tapis pour les petits pieds, ça, c'est bien. Ah, par contre, tu pouvais la mettre plus au mur. Alors, je sais pas si c'est un choix que tu as fait ou si que t'as pas fait gaffe, mais voilà. Donc, tu peux voir que tu peux la remettre. Oups. Je peux déplacer des meubles. Ah non, ça aurait été historique, ça. Donc, ici, nous avons une petite chambrette. Ah, par contre, tu as mis deux miroirs. Alors là, je sais pas pourquoi, mais tu as mis deux miroirs. Et ensuite. Ah oui, ensuite en fait, t'as pas d'accès direct au bureau, faut ressortir de la maison. Et tu as mis un tapis dehors. Bah, de toute façon, je referai un passage dans le futur, attention. Donc là, on était chez Johan, on va maintenant aller chez K6, qui est 28 expert explosif. Tant qu'on pète pas en allant voir sa maison, tout va bien. Alors, maison de K6, expert explosif, avec une devanture bois rouge, là, qui fait assez campagne. Attendez, j'arrive pas à voir si c'est du... Ouais, c'est du bois, je crois, non? Ou des briques rouges? Des briques rouges, je dirais, non? Je ne sais plus. Je n'arrive pas à bien distinguer de loin. Donc, grand espace à vivre. Donc, avec télé, le toilette qui est séparé. Enfin, quelqu'un qui fait quelque chose d'autre que mettre tout dans la même pièce. Voilà, on a un toilette séparé. Et la douche qui est juste à droite. Donc un accès assez rapide entre la pièce à vivre et ces deux-là. C'est pas mal, surtout pour les grosses commissions. La cuisine qui est assez américaine. Qui est pas mal. Elle est bien agencée. Et la chambre, une chambre très spacieuse. Très spacieuse. Et une autre chambre qui est pour les enfants, bien entendu. Et dehors, tu as mis un arbre. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des bons agencements. J'aime bien. Et allez, on va aller voir un dernier pour cet épisode. On va être Dance, expert explosif niveau 25. Moi, je vais continuer un petit peu en fait. Ça, pas... Ah, attendez. Pourquoi je ne peux pas le voir? Attendez. Ah, si. J'ai eu peur. Donc, maison de Dams, maison de Dams, donc d'un ton gris. Donc, c'est la même, je crois que c'est bois en fait, c'est boisé gris comme le rouge précédent. Et donc, là, qu'on rentre pièce à vivre avec la petite télé, une chambre à gauche, une chambre à droite,
Ils préfèrent l'autre chambre, hein, les Sims, ils sont confinés dedans. La salle de bain, spacieuse. La cuisine. Et une chambre pour les enfants, les ados. Enfin, en gros, pour tout le monde, puisqu'ils vont tous aller dedans. Et il n'y a rien d'autre. Bah, c'est sympa de voir comment vous mettez vos espaces, en fait. C'est assez comique. Alors, je vais maintenant m'attaquer à Jade. C'est parti, Jade, niveau 22, décoration, dernier cry. Voir la maison. Alors, maison blanche, carrément. Là, ça te tape bien à l'œil. Allez, on y va, on rentre direct dedans. Donc, encore quelqu'un qui a mis son arche de mariage devant pour faire une devanture. Bah, écoutez, moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, c'est quelque chose que, logiquement, on a... Enfin, qu'on fait juste pour le mariage et après qu'on jette dans l'inventaire, en gros. Donc, pourquoi pas ne l'utiliser comme ceci? C'est super pratique. Et super beau. Ça rend un petit quelque chose. Tant que les Sims ne se restent pas bloqués dehors, ça va. Donc, nous avons... méga pièce à vivre avec cuisine qui est directe dans la pièce. C'est pas mal, comme ça vous avez la salle à manger. Donc pas de télé. Ah, est-ce un choix de ne pas avoir mis de télé? En tout cas, il y a une plante. Donc on peut voir, c'est assez pratique. Hein, de toute façon, la chaise pour bébé qui est juste à côté, au moins vous n'avez pas de long chemin à faire. Une petite chambre rose avec l'arbre pour rajouter un petit côté... ouais, un petit côté coloris et tout qui va bien avec la pièce. La salle de bain qui est spacieuse. Très spacieuse avec un tapis pour les toilettes. Bon, voilà, il s'éclate là, les Sims dedans. Un petit bébé qui se demande quoi là, il s'avance tranquillou. La salle de gym avec tapis de yoga. La chambre. Alors, chambre qui était la décoration qui est pas totalement rouge à l'intérieur. Hein. On peut voir qu'il a juste mis, ou elle a juste mis un fond rouge. Et le reste laissé en blanc. Ce qui donne un petit côté sympathique à la pièce. Ça reste éclairé sans que ce soit ça assombri par ce rouge. Et là, un petit couloir, on peut dire, ouais, armoire, une petite buanderie, tout ça, quoi. Ouais, c'est sympathique, hein. Et il n'y a rien d'autre. Alors, on va maintenant aller voir la dernière personne de cette liste. Il s'agit d'Alice APDS. Donc, niveau 25, vite en vogue. Voir la maison. C'est parti. Alors. Voilà. Donc là, on a sa maison de l'extérieur. Donc je salue au passage, puisque c'est une abonnée qui commente beaucoup les vidéos ces derniers temps. Donc, on va aller voir l'intérieur. Avec des pandas qui sont là. Donc collection des œufs aussi. Collection des petits trophées Sims là. Des prismes. Donc, pièce qui va très bien avec le mur. Il y a quelqu'un qui est excité à l'écriture du sur l'ordinateur. Avec un mur, tout ça. Chambre rose. Petite chambre rose. Bien remplie, quoi, sympatoche. Salle de bain. C'est pareil, on est dans le classique avec la salle de bain, mais en même temps, quand on est dans les bas niveaux, c'est clair qu'on n'a pas les grands trucs. Sauf c'est la première qu'on a vue là avec la grosse baignoire. Jacuzzi là, c'est énorme. Et là, on a carrément une autre chambre plus grande, chambre des parents. Avec une colorie très claire. Et une cuisine. Oh, c'est pas mal, elle est bien la cuisine. Et dans le jardin, on a rajouté ça, donc du mariage aussi, hein, mais au moins ça rajoute voilà, quelque chose. Une table basse avec les trucs de caractère, buissons. Et ben voilà. Ben vous avez fait des... Franchement, là, pour les maisons que je viens de faire, là, on est à 19 minutes. Ben, ça va. Ça va, vous avez géré... si je devais en choisir une, ce serait un peu compliqué. Mais je crois que je choisirais la première. La première, elle m'a vraiment bluffé. Mais en même temps, c'est peut-être parce que c'est plus avancé au niveau du level. Mais c'est vrai que c'est... La salle de balle avec la baignoire, rien que ça, tu vois, ça te fait gagner des points, tu vois. Bon, on n'est pas dans un concours évidemment, mais c'est vrai que c'est pour l'instant, je dirais que la première que j'ai vraiment préférée. Je ne ferai pas de top parce qu'après, c'est super chaud à vous retrouver, enfin à répertorier, je pense. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu de voir vos maisons, peut-être. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Moi, je reviendrai faire la suite, comme Loulou le dit si bien. Hein.
Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite et portez-vous bien. Bye bye!